David Labartien, président du Comité national olympique et sportif français, est en voyage en Chine du 17 au 19 mai 2024. Peu avant son départ pour la Chine, il a accepté de répondre aux questions de Mandarin TV. L'occasion pour lui de parler du rôle du comité qu'il dirige depuis juin 2023, de la coopération avec son homologue chinois, mais aussi des chances de médaille de l'équipe française. Bonjour, en tant que président du comité national olympique et sportif français, vous avez déclaré « Je suis pleinement mobilisé sur les enjeux majeurs qui se profilent, au premier rang desquels les Jeux de Paris 2027. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les mesures que vous avez prises pour garantir cette réussite ?» Alors pour ce qui concerne le CNOSF, effectivement, nous avons la charge, nous avons deux éléments en charge, l'équipe de France olympique et Club France. Sur l'équipe de France olympique, ce sont 565 athlètes, 1230 personnes mobilisées avec les accompagnants. Et donc, il faut concrètement amener les tenues olympiques à chacun, amener les tenues de défilé à chacun. On voit bien la logistique que cela implique. Et donc, on est pleinement mobilisés pour accompagner nos athlètes, les mettre dans les meilleures conditions. Et nous serons, à ce titre d'exemple, avec la Chine et les États-Unis et la France, les trois plus grosses délégations aux Jeux olympiques. Donc, beaucoup de mobilisation. Et puis, pareil, on attend 700 000 personnes au Club France. Et donc là, il faut être pleinement mobilisé pour les attendre pendant toute cette durée des Jeux olympiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle que joue le Comité national olympique et sportif français ? Alors, le Comité national olympique et sportif français est l'organisation finalement qui rassemble l'ensemble des fédérations olympiques et non olympiques de sport, 110 membres, 17 millions de licenciés, un quart des Français, 25% des Français sont membres d'une association qui est membre du CNOSF. Et donc, nous avons pour charge de représenter l'ensemble du mouvement sportif. Nous avons pour charge d'organiser les équipes de France olympique pendant les Jeux olympiques. Et puis aussi, par exemple, de porter des candidatures olympiques, comme c'est le cas pour les Jeux olympiques d'hiver 2030. Qui sont vos principaux interlocuteurs à l'organisation des Jeux olympiques de Paris ? Pour les Jeux olympiques de Paris 2024, c'est avant tout le comité d'organisation de Paris 2024 qui est notre principal interlocuteur. Mais aussi l'État, parce que le gouvernement nous aide financièrement pour soutenir nos équipes de France olympique. Et donc nous sommes pleinement mobilisés avec l'Agence nationale du sport, avec l'ensemble des services de l'État. Et puis nous sommes aussi en lien avec le Comité international olympique pour des sujets relevant à des prérogatives olympiques, à la charte olympique, à la diffusion de la culture olympique, à l'accueil de la session du CIO en France. Donc on a plusieurs interlocuteurs. Quelles sont les attributions respectives entre vous et Thomas Estanqui, le président de Paris 2024 ? C'est vrai que le grand public connaît plus Paris 2024 et confond parfois ce que fait le comité d'organisation des Jeux Olympiques, présidé par Tony Estanguet, et ce que nous faisons au CNOSF. Paris 2024, ils ont pour charge d'organiser les Jeux Olympiques. Ils font un travail extraordinaire. Mais Paris 2024, après les Jeux, disparaîtra en tant qu'organisation. Le CNESF existe depuis presque 130 ans et nous continuerons à exister puisque nous allons continuer à fédérer le sport en France. Nous allons continuer de nous occuper des équipes de France olympique. Nous continuerons d'être l'organe représentatif, quelque part, pour le CIO ici dans notre pays. Est-ce que vous pouvez nous parler des chances de médaille des sportifs français ? Alors, nous avons des grandes chances de médaille. Nous espérons être parmi les cinq premières nations au tableau des médailles. Alors, je sais que les Chinois seront sans doute très forts, mais espérons qu'ils ne prennent pas toutes les médailles et que nous puissions en avoir un petit peu en France. Mais nul doute que la Chine et la France seront sans doute parmi les meilleures nations dans ces Jeux olympiques. Nous espérons, parce que nous avons un petit peu baissé, remonter dans les cinq premières nations et donc avoir beaucoup de médailles. Mais nous avons aujourd'hui des athlètes qui performent. Nous serons parmi les deux, trois plus grosses délégations aux Jeux olympiques et nous serons naturellement très forts dans les sports individuels, mais aussi des sports olympiques, par exemple comme le volley, comme des équipes comme le basket ou bien d'autres encore. Quels sont vos rapports avec le ministre chinois des Sports et aussi avec votre homologue chinois ? Alors, le ministre chinois des Sports, qui est effectivement aussi président du Comité national olympique et sportif chinois, nous nous voyons régulièrement et nous nous apprécions, nous nous connaissons bien, dans la mesure où, quand il y a le sommet olympique, j'ai le plaisir d'y participer, lui aussi, et donc on se rencontre. J'ai été dernièrement en Chine
et j'ai une rencontre spécifique avec lui à Hangzhou. Et je vais très prochainement, les 17, 18 et 19 mai prochains, donc à Shanghai pour les Olympic Qualifier Series et pour l'ouverture d'un satellite du Centre mondial du cyclisme. Nous l'ouvrirons ensemble avec le ministre chinois des Sports et président du CNO et avec le président du CIO. Donc oui, nous nous voyons régulièrement et sur des sujets qui sont propres à nos deux comités olympiques, mais aussi des sujets qui sont propres au sport que je préside, qui est le cyclisme, et qui pourra encore plus se développer en Chine, j'en suis convaincu. En juin 2023, vous avez été élu président du Comité national olympique et sportif français. Toutes mes félicitations. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours ? Alors c'est vrai que j'ai été élu, moi, président, sans vraiment avoir choisi d'être président du Comité national olympique et sportif français. J'ai siégé dans cette maison pendant 8 ans avant de laisser la place à d'autres. Et puis, j'ai été élu membre du CIO en Chine, à Beijing, le 19 février 2022. Et ainsi, je suis redevenu membre du conseil d'administration. Face à la crise qu'a traversée le Comité olympique français, beaucoup de collègues m'ont demandé de candidater, ce que j'ai fait. Et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et moi, je suis issu du monde du cyclisme. J'ai présidé la Fédération française de cyclisme, l'Union européenne de cyclisme, la Confédération continentale, et puis aujourd'hui, l'Union cycliste internationale. Et parallèlement à ça, eh bien, je suis aussi membre du CIO et donc président du Comité national olympique et sportif français. Et je pratique toujours le sport, et plus particulièrement le cyclisme, qui est mon sport de base. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Et toutes mes félicitations, et surtout, je vous souhaite plein de succès pour les JO de Paris.